Comme d'habitude. Thank you.
Ini yang dimanteni, the very
une chanson. C'est une chanson, vous avez peut-être remarqué, un peu triste. Un peu triste parce qu'elle raconte une histoire vraie. Et quand je la chante, je suis... de temps là, ça bouge. Voilà. C'est une chanson qui dit que, si tu nous abandonnes, tu es parti, tu nous as abandonnés. Tu es parti sans un regard en arrière. C'est valable pour un parent qui part, dans un sens comme dans un autre. Et nous, on est restés là. C'est une chanson qui donne du courage au cœur, aux mères et aux pères, parce que c'est dans le désordre que ça se passe des fois. Dit, un jour viendra, et tout ira mieux, parce que Dieu là-haut, il ne dort pas. Merci. Vous avez dit qu'il y avait des surprises. Ah. Cet instant est très important pour moi parce que je vais inviter sur scène une personne qui m'est très chère. Je peux dire très pour que tout le dictionnaire ouvert parce qu'il y en aura pas assez pour dire combien de fois cette personne a compté pour moi vocalement et continue de compter pour moi. Aujourd'hui, c'est mon doyen, c'est mon boss, et quand j'avais 16 ans à peu près, je faisais mes petits pas dans son studio, Gencomet, et pour la petite anecdote, moi, je faisais, il était toujours derrière la baie vitrée, papa, écoute, c'est déjà 10 000 musiciens, 10 000 instruments, et lui, il entend toujours la petite note qui est à côté, et dit, et moi, je trouvais que c'était la meilleure école au monde. C'est de rester derrière les aînés, de regarder comment ils font et d'essayer, je dis bien, d'essayer de faire comme eux parce que c'est pas facile. Alors j'invite sur scène le doyen, Neil Oliver, qui a eu vraiment la générosité immense à pour OCS et tout, de venir me donner un coup de main. Merci de l'applaudir très fort. Africa, and die.
Avec elle ce soir sur scène, justement à l'Institut français, car c'est un lieu mythique, un lieu extraordinaire où il fait bon d'y venir très souvent. Merci beaucoup. Merci. Merci au boss d'être venu. Vraiment, je pense que je lui dirai tout ce que j'ai dans le cœur. Tout à l'heure. Alors, c'est le moment des grandes émotions. Alors, celui que je vais inviter tout à l'heure, vous allez voir tout de suite. Oui, c'est un compagnon de route, mais vraiment très important parce qu'on a partagé la scène, des moments vraiment incroyables à Paris. Et vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je préfère le laisser venir et comme ça, vous allez comprendre de quoi je parle parce que. Pour moi, c'est un ovni, quoi. Je sais pas. Il est tombé de là-haut. Je pense que, je sais pas comment. Je pense que même sa maman, elle doit pas trop comprendre parce que c'est juste un extraterrestre, vocal et physique. Vous verrez tout à l'heure. Et on a fait pas mal de choses ensemble. On continue d'en faire et on continuera
ton frère. C'est mon frère, né de l'autre côté du Sénégal. Et vous savez, on dit souvent, votre frère, ce n'est pas seulement celui qui est né de votre père et de votre mère. C'est aussi celui avec lequel vous sentez une énergie familiale qui naît toute seule comme ça, avec une rencontre. Je vais inviter Fada, Fada Freddy. Fada Freddy. Fada. Fada, 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 Fada. Voilà, il est là, avec son chapeau.
t'en vas pas. Non, 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 tu restes ici. C'est vrai? Ah oui, il va partir, hein? Ah ben non, hein? Ah ben non, tu pars pas comme ça. Et donc, il veut nous arrêter. Merci. Alors, je suis venu du Sénégal pour la reine Fafa. Et ça vaut le coup. Parce qu'elle n'a que de l'amour à donner. Elle est universelle, parce qu'elle est l'amour elle-même. Oh là là, tu vas me faire pleurer là. Thank you.
magnifique. Il y a la typologie dans l'air. Passo e assim.